Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre live. Nous sommes en direct de la concession By My Car de Rivoli et je suis accompagnée aujourd'hui de Virginie. Bonjour, enchantée, je suis Virginie Bichon sur la partie grand compte pour By My Car. Ah oui, j'ai oublié de me présenter, Edouard Sineux. Moi je suis formateur pour BMW France, formateur produit, donc nous parlerons produits mais aussi de plein d'autres choses. J'espère que vous êtes toutes et tous confortablement installés et que vous avez pu voir que nous avons une section questions-réponses. Donc à tout moment, vous pouvez poser vos questions et on les fera apparaître au fur et à mesure. Et en tout cas, on se fera fort d'y répondre au fur et à mesure de cette présentation. Avec grand plaisir. On est ensemble pendant environ 45 minutes, selon la densité et l'importance de vos questions. Et nous sommes bien en live puisqu'il est bien 10h02. Donc nous allons pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet aujourd'hui, eh bien, vous concerne plus particulièrement vous, entreprise, chef d'entreprise, gestionnaire de parc, dans les choix automobiles qui sont proposés à vos collaborateurs ou même pour vous-même. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs, beaucoup de chefs d'entreprise sont un petit peu perdus dans leurs choix, notamment par rapport à la motorisation. Et c'est vrai qu'on entend aujourd'hui plus parler de type de motorisation quasiment que de modèle de véhicule à cause de l'hybride, l'hybride rechargeable, l'électrique, l'essence, le diesel, tout ça fait qu'on est un petit peu perdu, hein, et vous et nous, pour savoir vers quoi vous orienter en termes de choix automobile. Et vous le savez, BMW met en avant cette notion de choix hein, pour nos clients entre ces différents types de motorisation. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, nos utilisateurs de BMW ou de Mini se posent très fortement la question de ce choix de motorisation ? Déjà, il y a l'aspect fiscalité qui va rentrer en compte. Il y a l'utilisation aussi des conducteurs, la typologie de route empruntée. Voilà, il y a un ensemble de paramètres qui sont à prendre en compte qui font qu'on est obligé de faire du cas par cas. Oui, puis il y a une grosse pression aussi hein, des autorités. On entend parler de loi, on entend parler de ZFE, hein, vous savez, les zones de faible émission. Ces zones-là, c'est vrai que pour l'instant, elles ne sont pas très nombreuses en France, mais elles concernent essentiellement les centres-villes. Et puis, elles concernent quand même des véhicules qui sont plutôt anciens. Hein. Aujourd'hui, c'est les vignettes critères 4 et 5 ou les non classés qui sont concernés. Donc, c'est plutôt des véhicules qui vont avoir plus de 10 ans, ce qui est quand même très rare hein, dans les parcs automobiles aujourd'hui d'avoir des véhicules qui sont anciens à ce point-là. Mais c'est vrai que ça crée dans l'inconscient collectif cette notion de « si j'ai un diesel, je ne pourrai plus jamais venir à Paris ». Alors, ce n'est pas tout à fait une réalité, ça, on en est bien, vous et nous, très conscients. Alors, tu nous le disais, hein, Virginie, la notion de choix pour nos clients, elle est liée à l'usage de nos clients. Exactement. Quel est l'usage qu'ils vont avoir de leur véhicule automobile? Combien de kilomètres ils vont faire? Est-ce que c'est pour un usage strictement domicile-travail? Est-ce que c'est pour un usage qui va être en itinérance, pour aller à la rencontre des clients, en itinérance en région, sur l'île de France par exemple? Ou une itinérance beaucoup plus longue au niveau national, par exemple, avec des clients, des utilisateurs qui parcourraient de très nombreux kilomètres. Alors c'est vrai, quand on parle de l'usage, souvent, on réduit cet usage à la notion de kilométrage réalisé au quotidien. Mais il y a d'autres paramètres à prendre en compte hein, que ce pur kilométrage, c'est la vitesse. Exactement. La typologie de route qu'on va emprunter, finalement, sur un même profil de collaborateur, fonction de la région dans laquelle il va être représenté, la typologie de route ou autre, on n'apportera pas la même solution. Exactement, parce que, alors vous le savez, hein, lorsqu'on a une vocation à faire de l'éco-conduite, on va pouvoir jouer très légèrement sur sa consommation, sur un véhicule thermique, en anticipant un petit peu plus, en freinant de manière un petit peu différente, en adaptant sa conduite, on va pouvoir aller à la marge modifier un petit peu notre consommation. Et sur un thermique, on sait que la consommation sera plus forte en ville que sur autoroute, par exemple. Mais du coup, pour les hybrides rechargeables et les électriques, eh bien, c'est exactement l'inverse. Puisqu'on a une consommation qui va pouvoir être deux fois supérieure sur autoroute par rapport à ce qu'elle est à 50 km/h, par exemple, lorsque je suis en zone urbaine ou périurbaine. Donc forcément, si ma consommation est deux fois supérieure, eh bien, c'est mon autonomie qui va être, elle aussi, deux fois inférieure à ce qu'elle pourrait être. Donc ça, c'est aussi des paramètres qui sont très importants à prendre en compte. C'est cette nature, cette typologie de parcours que réalisent vos collaborateurs au quotidien et la vitesse à laquelle ils vont se déplacer. Est-ce que ce seront des parcours essentiellement autoroutiers ou alors des parcours essentiellement urbains? Et tout ça, évidemment, va définir le type de véhicule, le type de motorisation vers lequel vous allez pouvoir les orienter ou orienter vos choix de parc. Alors c'est évidemment
pas les seuls choix. On a parlé de choix rationnels hein, pour l'instant, la fiscalité, on a parlé de l'usage réalisé par les utilisateurs. Mais il n'y a pas que ça qui va avoir un impact sur vos choix en termes d'automobile. Il y a une dimension qui est très forte, c'est la notion de sensibilité. Alors sensibilité, quand je parle de sensibilité, j'ai fait un décor avec de l'herbe et une planète pour évoquer la notion de sensibilité environnementale. Alors au-delà de cette sensibilité purement environnementale, il y a aussi la notion de responsabilité, de RSE. Hein. Vous êtes tous et toutes concernés hein, par cette dimension-là, qui peut avoir un impact hein, sur les choix réalisés par nos clients, d'aller plutôt vers des véhicules respectueux, plus respectueux de l'environnement. Ça peut être pour des raisons d'image, mais ça Exactement. Peut être aussi pour rentrer dans ce cadre RSE et notamment avoir cette identification d'un choix plus propre en termes de choix automobile. Et puis, pour certains de vos collaborateurs, ça peut être aussi un vrai choix, une vraie demande de leur part par rapport à leur parcours, mais aussi par rapport à leur désir de se dire, eh bien, moi, je souhaiterais avoir la possibilité de rouler demain en tout électrique par rapport à l'environnement dans lequel je vis, par rapport à la pression que peuvent me mettre mes enfants. Papa, papa, s'il te plaît, passe à l'électrique. Ça peut être aussi des éléments qui vont avoir un impact fort hein, sur ces choix-là, sur cette orientation qui est donnée à vos collaborateurs. Alors vous le savez, hein, et c'était l'objet de notre premier business dating, cette notion de choix chez BMW est très importante et on a beaucoup de solutions dans le domaine de l'hybride rechargeable et de l'électrique et ça se développe de plus en plus. On a juste à côté de nous une magnifique représentante de cet univers des hybrides rechargeables. Il s'agit d'une série 3, 330E, qui est une très belle représentante de cet univers parce que elle va rassembler beaucoup d'éléments qui sont très forts pour BMW en termes de performance. Déjà, c'est le modèle phare de la marque. C'est le modèle iconique. Iconique, la berline 3 volumes, une habitabilité, un confort de conduite, une efficacité sur la route extraordinaire, associée avec la dimension électrifiée qui va lui donner à la fois des performances vraiment importantes, associée avec une consommation et des émissions de CO2 particulièrement basses. Et puis, basse aussi par sa hauteur, et ça, on reviendra sur ce point-là, qui fait qu'on a un aérodynamisme particulièrement soigné sur cette série 3, et du coup des consommations et des émissions qui sont elles aussi particulièrement modérées. Donc un 292 chevaux pour notre BMW série 3 330e. Et puis un choix de motorisation aussi très important, alors à la fois dans l'hybride rechargeable, avec deux motorisations différentes, hein, 320E et 330E, deux niveaux de puissance et de performance différentes, et puis la possibilité d'associer avec des transmissions intégrales, X-Drive, donc en deux roues ou en quatre roues motrices, mais aussi associer avec deux carrosseries différentes, puisqu'on a la version Touring, qui est aussi disponible pour les versions hybrides rechargeables, donc Touring, les breaks par BMW, pour ceux qui ne connaissent pas cette appellation propre à la marque BMW. Et décliné en business design, et dans tous les cas. Décliné en business design. Merci Virginie de nous le préciser. Est-ce qu'on a des questions qui sont arrivées pendant que nous abordions ce début de session? Non, pour l'instant, rien ne se passe. N'hésitez surtout pas à utiliser la zone questions-réponses pour nous poser vos questions tout au long de cette présentation. Alors, on vient de le dire, hein, la gamme BMW dans le domaine des hybrides rechargeables et des électriques est très étendue aujourd'hui. Hein. Beaucoup de modèles sont concernés sur l'hybride rechargeable. Ici, je les ai classés par finalement la taille de la batterie. Sur nos hybrides rechargeables, on va pouvoir vous proposer jusqu'à environ 50 km d'autonomie en tout électrique, ce qui correspond la plupart du temps à un usage quotidien. Le trajet domicile-travail, je peux le réaliser en tout électrique. Et puis, plus je vais augmenter la taille de la batterie, évidemment, plus mon autonomie va être importante. Et la jonction se fait à partir de la mini électrique, hein, qui va nous proposer une batterie de 33 kWh, c'est-à-dire environ 230 km d'autonomie en tout électrique. Et puis on va aller croissant jusqu'au fameux BMW iX, dont vous entendrez parler très prochainement d'ailleurs, puisqu'il sera présenté au public très bientôt. On a commencé à voir les toutes premières images de cette BMW, hein, qui est du gabarit d'un X5 à peu près en termes de longueur, la hauteur d'un X6, mais c'est une BMW i avec une très très grande capacité de batterie et qui est capable de nous proposer jusqu'à 600 km d'autonomie en tout électrique. Donc tout cela, nous en reparlerons très bientôt puisque la voiture sera présentée plus largement au public prochainement. Alors évidemment, quand on parle
BMW hybride rechargeable ou électrique, bien entendu, il est nécessaire d'aborder la notion de recharge. Et cette recharge, elle peut se faire à domicile ou sur la voie publique, ça vous le savez. Alors, si on regarde un petit peu les statistiques aujourd'hui des utilisateurs de BMW électrique en France, on va se rendre compte que le principal lieu de recharge, finalement, pour nos clients et nos utilisateurs de BMW électrique, c'est à domicile, que ce soit d'ailleurs en maison individuelle ou en copropriété. En maison individuelle, les clients vont évidemment plus facilement se recharger chez eux parce que c'est beaucoup plus facile d'installer une borne chez soi. Je suis chez moi, je fais ce que je veux. Bien sûr. Beaucoup plus facile d'avoir accès à une prise de courant standard dans Exactement. Un garage, par exemple. Parce que pour beaucoup de nos clients, cette recharge, notamment pour les véhicules hybrides rechargeables, hein, comme je n'ai pas une très grosse batterie, bah une recharge sur une prise de courant standard va être largement suffisante. Donc, c'est vrai que bah, dans 90% des cas, la recharge va se faire à domicile ou 5% supplémentaire sur le lieu de travail. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui vont sur leur parking de collaborateurs installer bah, soit des prises, soit des bornes de recharge. Bien sûr. Et puis, dans certains cas, même, c'est une question d'image. Installer devant votre société une borne ou plusieurs bornes parfois accessibles au public, c'est aussi un moyen de rentrer dans cette démarche citoyenne d'électrification. Donc ça peut être aussi un élément qui est important. Ça, et puis l'autre aspect, c'est que ça permet aussi d'orienter les collaborateurs à se diriger vers de l'hybride parce qu'on désacralise le problème de recharge. Ça, c'est vrai que c'est un élément très important parce que, tu le dis toi-même, le problème de recharge. Pour beaucoup d'utilisateurs, c'est encore vu, cette notion de recharge, comme un problème. Alors parfois, ce problème est réel. Je n'ai pas de solution chez moi pour me recharger. Bien sûr. Ou alors, c'est vraiment très complexe. Mais sachez d'abord que pour accompagner vos collaborateurs ou même vous, entreprise, dans l'installation de ces bornes, on a fait appel à des partenaires qui ont une présence réellement nationale. Alors, il s'agit de The Plug lorsque vous souhaitez faire une installation en copropriété. Alors, ça peut être une installation en copropriété ou dans une situation un peu complexe, un immeuble partagé, par exemple. Ou alors, à domicile ou dans une entreprise ou chez un artisan, par exemple, ce sera un autre partenaire qui est ChargeGuru. Chacun de ces deux opérateurs a vraiment une présence nationale. Vous le voyez aussi, une très grande activité sur l'Île-de-France. On s'en doutait, hein, c'est plutôt en ville que les véhicules hybrides rechargeables et électriques vont se développer très largement. Et donc, ces deux partenaires sont des partenaires sélectionnés par BMW, choisis déjà pour leur très très bonne notation en termes d'installation et puis leur efficacité dans l'accompagnement qu'ils peuvent vous donner dans l'installation de ces bornes. Donc, avec des bornes installées à domicile ou sur le lieu de travail, on va couvrir, allez, 90-95% des besoins de nos utilisateurs. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai besoin d'aller me recharger en ville, sur autoroute? Et ça, c'est vrai que c'est la question qui revient très souvent de la part des collaborateurs. J'ai une électrique, mais qu'est-ce qui se passe si j'ai plus de batterie dans ma voiture? Je n'ai pas le temps de rentrer chez moi pour me recharger. Je peux me recharger en ville de manière assez simple. Finalement. Exactement. La plupart des bornes du réseau urbain, on est soit sur des câbles T2-T2 qui sont fournis de série sur toute notre gamme hybride, et on a également les câbles prises domestiques. Vous avez certains parkings où vous avez des bornes, enfin des prises d'accès rapide directement en 230 volts. Oui, des prises de courant standard qui sont installées directement dans les parkings. Donc, effectivement, avec tous les modèles électriques ou hybrides rechargeables, on va avoir deux séries livrées avec la voiture. Un câble de recharge domestique avec un petit boîtier transformateur et puis un câble un petit peu plus important en termes de taille qui va nous permettre de nous brancher sur la très très grande majorité des bornes qui se trouvent en France. Aujourd'hui, il y a plus de 33 000 bornes accessibles en France pour la recharge de véhicules électriques, que ce soit sur la voie publique, en ville par exemple, ou dans les parkings, parkings publics, parkings de centre-ville notamment, parkings de supermarchés, de centres commerciaux, IKEA. Certaines grandes enseignes sont très moteurs dans cette installation. On en revient à l'image. Hein. Exactement. IKEA le fait depuis de nombreuses années. Lidl propose de la recharge avec même des puissances très élevées, gratuites, accessibles sur leur parking. Ça fait partie des marques qui, font la promotion des véhicules électriques par ce type d'installation. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant pour les autres types de bornes, celles que vous pouvez voir en ville? Comment j'accède à ces bornes? Alors, des bornes, comment je les trouve? Tout simplement avec l'application. Vous avez avec le package BMW une application qui est MyBMW. On reviendra tout à l'heure dessus en termes de connectivité. Et associée avec cette application, il y en a une qui s'appelle BMW Charging ou Mini Charging, bien entendu. Les deux existent. Alors, ce sont non seulement des cartes
que vous voyez ici à l'écran et que je vous présente, hein, ce sont les miennes, qui vont nous permettre d'accéder aux bornes de recharge, hein, de déverrouiller la borne sur laquelle je veux me brancher. Puis c'est aussi un moyen de paiement, puisqu'on a des offres qui sont liées à ces cartes d'abonnement. Alors soit un abonnement qui est totalement gratuit et à ce moment-là, vous, votre collaborateur, vous-même, paierez la recharge au fur et à mesure et au prix indiqué sur la borne ou sur l'application, soit via des abonnements, la possibilité d'avoir accès à des recharges à tarifs avantageux négociés par BMW dans ce cas-là. Donc ces cartes sont remises systématiquement à tous nos clients utilisateurs, là aussi, de véhicules électriques ou hybrides rechargeables. L'idée, c'est de tout de suite vous donner les clés d'une accessibilité simple à la recharge, que ce soit à domicile ou sur la voie publique. Donc un accompagnement qui est le plus complet possible. Alors, on a déjà beaucoup parlé, hein, d'hybride rechargeable, d'électrique. Je voulais juste replacer avec vous ces différentes notions pour vous montrer à quel point effectivement cette accessibilité à la recharge était simple et qu'on pouvait vous accompagner et accompagner vos collaborateurs dans cette installation-là chez BuyMyCar. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, c'est qu'est-ce qui se passe dans le cas où ben finalement, ça n'est pas possible. C'est-à-dire que la recharge chez moi est très complexe, la recharge sur la voie publique à l'endroit où je travaille, à l'endroit où j'habite, est finalement assez peu accessible. Vous avez peut-être entendu parler du projet 100 000 bornes annoncé par le chef d'État, de l'État français. 100 000 bornes, on est à 33 000 pour l'instant, donc ça n'est pas encore le niveau d'équipement complet qu'on pourrait attendre. Pour certains de vos collaborateurs, c'est aussi pour l'instant une véritable angoisse. Ils ne veulent pas rouler en tout électrique ou en hybride rechargeable parce qu'ils craignent la panne sèche. Et ça peut prendre un petit peu de temps de s'habituer à ce changement-là. La bonne nouvelle, c'est que chez BMW, comme chez Mini, eh bien, on va pouvoir proposer d'accompagner vos clients, vos utilisateurs, aussi avec des progrès réalisés sur nos véhicules purement thermiques. Alors, je dis purement thermique, pas seulement. Vous l'avez, si vous connaissez la marque BMW depuis de nombreuses années, vous connaissez forcément ce programme BMW Efficient Dynamics. Il existe depuis quasiment 20 ans chez BMW. C'est un programme qui va avoir comme objectif principal de réduire les consommations et les émissions de CO2 et dans le même temps d'améliorer les performances ou de maintenir les performances de nos véhicules. Et c'est vrai que ces dernières années, on a assisté à une augmentation très importante quand même de la puissance de nos autos associée avec des consommations et des émissions de CO2 particulièrement basses. Alors comment je fais sur un véhicule thermique traditionnel pour avoir des consommations raisonnables? D'abord, je vais travailler sur les fondamentaux. Exactement, on va essayer d'avoir une accélération la plus souple possible. On va essayer d'avoir une conduite en fait tout simplement très sobre. Alors c'est vrai que la conduite est un élément très important. C'est pour ça que depuis très longtemps sur nos BMW, on a un mode EcoPro, un mode dans lequel par le simple appui sur un bouton, on va être accompagné dans cette conduite plus souple, des accélérations plus raisonnables, une incitation à lever le pied, à anticiper ce qui va pouvoir se passer devant nous sur la route. Et aujourd'hui, la technologie nous aide encore plus parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais si vous mettez une destination dans votre navigation, eh bien votre BMW, comme votre Mini, va être capable de s'adapter au parcours. Je vais pouvoir anticiper l'arrivée sur un rond-point, par exemple, anticiper un passage de rapport, une décélération qui va être gérée directement par ma voiture, de façon à là aussi optimiser ma consommation et mes émissions de CO2. Donc une partie technologique. Mais ça, on est déjà sur quelque chose d'assez avancé. Parmi les fondamentaux, on va avoir évidemment la notion de poids. Le poids de mon auto a un impact lorsque j'accélère. Si j'ai beaucoup de poids à accélérer, je vais avoir de la consommation pendant cette accélération. Du coup, un gros travail réalisé chez BMW depuis de nombreuses années pour maintenir le poids le plus raisonnable possible. Alors, le plus raisonnable possible en garantissant un niveau de sécurité très élevé, bien entendu, un niveau d'insonorisation, de confort à bord. On est tous de plus en plus demandeurs de sièges électriques, de véhicules très insonorisés, un confort à bord, un agrément de conduite particulièrement soigné. Et tout ça, ça a un impact sur le poids. Bah, pour éviter cette augmentation de poids, on va chez BMW mettre en œuvre du carbone, de l'aluminium, beaucoup de matériaux qui vont nous permettre de maintenir ce poids à un niveau très raisonnable. Le deuxième élément, c'est bien entendu, on en a parlé tout à l'heure, l'aérodynamisme. Oui. Si j'arrive à fendre l'air
sans lutter contre la masse d'air qui se trouve devant moi, eh bien, je vais moins consommer pour pouvoir rouler confortablement sur la route. Et du coup, ça a un impact aussi en termes de choix, parce que, je le sais, une voiture qui va être surélevée, type Sport Activity Vehicle, la gamme X chez BMW, par rapport à une berline ou un touring, ben, je peux me retrouver avec un écart de consommation très important, alors que sur les deux, j'ai les mêmes performances, j'ai quasiment la même habitabilité, mais je peux avoir jusqu'à 25 grammes d'écart entre une 330D, par exemple, et un X330D, donc avec les mêmes performances au global, je peux avoir des différences de consommation et donc d'émissions très importantes, uniquement liées à cette dimension de l'aérodynamisme. Donc ça aussi, c'est quelque chose, en termes de gestion de flotte automobile, qui est à prendre en compte dans les choix que je vais faire pour mes collaborateurs, et essayer peut-être parfois de les orienter vers des autos qui sont certes un petit peu plus basses, mais du coup qui ont un meilleur aérodynamisme, et du coup un impact de consommation et donc de fiscalité, là aussi un petit peu plus raisonnable. Exactement. Alors, on a vu les fondamentaux, hein, les choses qui vont me permettre, déjà en travaillant sur la base de ce qui fait une automobile, son poids, son aérodynamisme, et toute la gestion que je vais pouvoir avoir électronique des événements pour pouvoir optimiser ma consommation. Mais lorsque j'ai besoin de franchir un cap supplémentaire, et ben là, je vais faire appel là aussi à de la technologie et je vais électrifier partiellement mon auto, mais sans pour autant faire de l'hybride rechargeable. À ce moment-là, je vais parler de micro-hybridation. Alors, micro-hybridation ou hybridation légère, vous en avez peut-être déjà entendu parler. Le principe de fonctionnement est relativement simple, vous le voyez ici à l'écran. Je vais avoir dans ma voiture un alterno-démarreur. Alors, un alternateur dans une voiture, vous connaissez tous cet élément-là. L'alternateur, il va permettre, lorsqu'il est entraîné par le moteur thermique, de fabriquer du courant. Dans le cas de mon alternateur ici, il va fabriquer du courant en 48 volts. Ce courant 48 volts va être stocké dans une batterie, elle aussi 48 volts, qui fait la taille d'une batterie traditionnelle 12 volts d'une voiture. Ça, c'est lorsque le moteur thermique tourne, il entraîne mon alternateur. Mais lorsque j'ai besoin d'envoyer du courant vers mon alternateur, il va être capable de devenir démarreur. C'est pour ça qu'on appelle ça un alterno-démarreur. Et lorsque j'envoie du courant 48 volts vers mon moteur électrique, il est capable de démarrer le moteur thermique, mais pas seulement. Il est capable de l'aider lors d'une accélération. Et ce petit moteur électrique, finalement, va aider mon moteur thermique à moins consommer dans chacune des accélérations que je vais pouvoir faire derrière. Alors, cette micro-hybridation, elle fonctionne de manière totalement transparente pour l'utilisateur. Il n'y a pas de bouton à activer, il n'y a pas de batterie à recharger. J'ai une voiture thermique, je me contente de faire le plein dessus de carburant. Et derrière, la voiture va gérer toute seule et automatiquement toutes ces phases de conduite. Le principe, c'est de maximiser la baisse de consommation. Donc, à chaque levée de pied de l'accélérateur, eh bien, je vais être capable de recharger ma batterie 48 volts. Et à chaque accélération, je vais être capable de donner ce e-boost, ce petit boost à l'accélération qui va me permettre de moins consommer. Le gain en moyenne, il se situe entre 5 et 21 grammes de CO2 par kilomètre, pas au 100 km, pardon, de moins à chaque accélération. Donc c'est quand même un gain qui est considérable, puisque si j'arrive à atteindre 21 grammes de CO2 en moins, ben ça peut me faire changer de catégorie en termes de malus, ou alors de me faire changer aussi de planète en termes de TVS notamment. Ça, et puis là on a orienté société, donc si on ramène ça à l'ensemble d'une car policy, à l'ensemble du parc roulant, bah, du coup on multiplie par le nombre de véhicules en parc et là l'impact est plus que conséquent. Un impact sur le TCO qui va être considérable, parce que c'est effectivement, c'est pas que de la fiscalité, c'est aussi moins de consommation pour les collaborateurs au quotidien dans leur utilisation. Donc effectivement, ça a un poids qui peut être très très conséquent. Alors vous le savez, hein, la TVS en 2021 et le malus ont été augmentés, alors plutôt le seuil de déclenchement notamment du malus a été abaissé de 5 grammes. Donc si j'arrive à compenser ça avec de la micro-hybridation ou de l'hybridation légère, eh bien c'est toujours ça de gagner, hein, puisque ça me permet de ne pas être dans la zone de malus. Et même chose pour la TVS. La TVS qui s'applique à chaque gramme de CO2 supplémentaire et qui dans certains cas peut me faire changer de tranche avec des niveaux de fiscalité beaucoup plus contraignants. Eh bien là, ça me permet de rester sous cette zone-là. Donc je vous le disais,
un gain de 5 à 21 grammes de CO2, donc forcément avec un impact fiscal très important. Aujourd'hui, on a combien de véhicules qui vont être concernés par... Combien de véhicules qui vont être concernés par cette micro-hybridation? On a une gamme finalement très large. On a une gamme très large. Effectivement, ça va démarrer à partir des gammes 3, donc sur les berlines série 3 et sur les X3. Pourquoi? Parce que c'est simplement les véhicules où c'est le plus légitime, dans le sens où on est sur des véhicules un petit peu plus lourds qui ont tendance à plus s'émettre VS une série 1. Oui, c'est-à-dire que l'impact de la taille de la voiture et de la taille du moteur, parce que c'est aussi sur les motorisations importantes, même en diesel hein, d'ailleurs, que l'on va avoir un gain très important. Donc c'est forcément sur ces autos que prioritairement on va développer cette micro-hybridation de 48 volts. Mmh. D'accord. C'est vrai que du coup, l'impact prix de cette technologie est finalement très raisonnable, puisque je remplace un alternateur et un démarreur par une seule machine électrique. J'ai juste une batterie supplémentaire, donc il n'y a pas d'impact sur le prix de la voiture, je vais même aller très plus loin. Significatif. C'est-à-dire qu'on a une gratuité aussi souvent des cartes grises. Donc, en fin de compte, l'impact qu'on avait tarifaire a été lissé au bout d'un an entre le gain sur la TVS et sur la carte grise. Par contre, du coup, si on est sur une location de 4 ans, bah, on est gagnant les 3 années suivantes. Ben oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir un H sur l'indication du carburant dans la carte grise, puisque c'est bien une micro-hybridation, mais ça reste une hybridation, eh bien, nous permet d'avoir une gratuité sur la carte grise. C'est aussi effectivement un élément très important. Alors, les gains hein, sont effectivement, on l'a dit, sur la fiscalité, sont sur le malus, sont sur la gratuité de la carte grise, sont sur la fiscalité au global et donc au final aussi sur la consommation de votre parc automobile. Mais pas seulement, c'est vrai que pour les utilisateurs au quotidien, eh bien, ça va amener un niveau de confort supplémentaire. Je m'explique. Ce moteur électrique, cet alterno-démarreur, il va me permettre d'augmenter le nombre de fois où je vais pouvoir couper et redémarrer le moteur. Le fameux arrêt-démarrage automatique, lorsque je suis dans un embouteillage, eh bien là, ça va se faire de manière très transparente, très silencieuse pour les utilisateurs, parce que l'alterno-démarreur est relié au moteur avec une courroie, donc ça se fait de manière très souple, très doux, sans le bruit et la vibration qu'on pourrait avoir lorsqu'on n'utilise pas cette technologie-là sur certains modèles. Donc ça nous permet d'augmenter le nombre de fois on va pouvoir faire de l'arrêt-démarrage automatique de manière transparente. Ça amène l'agrément à l'accélération, on le disait tout à l'heure, un petit e-boost à l'accélération qui est toujours agréable, notamment dans le début de l'accélération. Hein, ça permet, en combinaison notamment avec des boîtes de vitesse automatiques, d'avoir un agrément qui est particulièrement agréable à l'accélération. Et si on va chercher encore un petit peu plus loin ce qu'on peut obtenir, eh bien, lors d'un lever de pied dans une grande descente, on va même être capable de se mettre en roue libre. Mmh. Donc je déconnecte le moteur thermique, je ne l'arrête pas, il reste au ralenti. Je suis en roue libre pendant quelques minutes, le temps de cette descente. Et au moment où j'ai besoin de relancer mon moteur pour qu'il se remette à la vitesse à laquelle je roule, eh bien, ça se fait de manière là aussi très transparente et très douce. Le tout avec la combinaison dont on parlait tout à l'heure, lié au fait d'avoir indiqué une destination dans la navigation, parce que ça aussi, c'est un élément qui est très important. Même pour un trajet que vous faites au quotidien avec votre BMW, pensez toujours à mettre une destination dans la navigation. Ça aide votre voiture à savoir où elle va et à quoi elle doit s'attendre. Est-ce que j'ai une montée à anticiper? Est-ce que j'ai une descente? Les ronds-points. Et les ronds-points, effectivement. Hein, si j'arrive à la bord d'un rond-point, je vais en plus sur les ronds-points utiliser la caméra en plus de la navigation, pour pouvoir détecter que devant moi, j'ai une voiture qui est en train de freiner et donc pouvoir éventuellement recharger plus fortement ma batterie sur une hybride rechargeable. C'est encore évidemment plus marqué. C'est-à-dire que chacun de ces levées de pied va me permettre de gagner des kilomètres d'autonomie supplémentaires. Donc, c'est aussi un moyen de maximiser cette dimension-là. On a la petite jauge d'ailleurs directement sur le compteur où on voit les kilomètres qui sont gagnés au fur et à mesure de la conduite. Eh oui, parce que c'est vrai qu'on a cette dimension ludique lorsque l'on veut s'intéresser à l'électrification. Et c'est un bon moyen d'ailleurs de motiver vos collaborateurs. Ça peut même être de faire des challenges de consommation. Exactement. Essayer de mesurer hein, les différences de consommation entre les différents collaborateurs. Et combien de kilomètres j'ai réussi à faire en tout électrique? Est-ce que j'arrive à afficher une autonomie en tout électrique plus importante que celle des autres? J'ai vu des sociétés où effectivement il y avait ce genre de challenge. Je te confirme. Et puis on peut même aller jusqu'au BMW Points. C'est-à-dire le fait de directement dans sa BMW cumuler des points d'utilisation de véhicules électriques ou hybrides rechargeables et
cumuler ces points-là et pour obtenir des scores et notamment même des récompenses, hein, puisqu'on peut avoir même des recharges gratuites si on a une consommation la plus raisonnable possible. Donc on va avoir une gamification hein, de cette, cette électrification, mais c'est quelque chose qui en entreprise fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien, je te confirme. Effectivement, il y a toujours ce côté challenge entre collaborateurs. Et puis voilà, quand on est en électrique, on a une conduite beaucoup plus souple. Et c'est vrai que c'est toujours agréable de voir le gain de kilomètres qu'on a réussi à atteindre, de faire baisser la batterie le plus lentement possible. Voilà, on se prend au jeu. Ouais, on se prend au jeu. Et c'est vrai que c'est aussi un moyen d'accompagner vos collaborateurs dans le fait que, effectivement, ça peut paraître inquiétant dans les premières étapes, mais c'est vrai qu'on y revient facilement derrière. On a parlé de tous ces éléments qui vont permettre d'améliorer ma consommation, mes émissions. N'oubliez pas que vous pouvez nous poser des questions directement dans la zone questions-réponses qui se trouve sur la droite de votre écran. Et si ça n'est pas affiché, il vous suffit de cliquer sur les petites bulles avec un point d'interrogation. N'hésitez surtout pas, hein. Ça nous fera plaisir de pouvoir répondre à vos questions. On va tout de suite maintenant poursuivre dans cette dimension de technologie avec une dimension bien particulière qui est la dimension connectivité. C'est parti pour la connectivité. Alors, cette connectivité, elle a beaucoup d'utilité, illustrée ici dans ce petit clip. Ce jingle qui est venu ponctuer notre présentation avec une personne qui sort d'une plongée sous la glace et qui va rentrer dans sa BMW. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir utiliser d'intéressant sur son smartphone par rapport à cette situation ? On va avoir beaucoup de choses de possibles. Quand on a des rendez-vous, par exemple, Outlook avec une adresse, on va pouvoir les envoyer directement dans le GPS. On va pouvoir consulter où égarer son véhicule. Quand on est sur des véhicules hybrides, on va pouvoir consulter en temps réel le taux de charge, savoir combien de temps il nous reste. On peut même aller plus loin pour les matinées hivernales où il fait un petit peu frais. On peut préconditionner la température de l'habitacle. Donc on peut dire, par exemple, tous les matins, je rentre dans mon véhicule à 8h, je veux qu'il fasse 20 degrés. Et ça rend la vie un petit peu plus agréable en hiver. Bah oui, je pense effectivement à la personne qu'on voyait à l'écran hein, dans sa plongée. Peut-être qu'en sortant de l'eau, il lui suffit de dire « je souhaite démarrer et partir maintenant » et sa BMW va être capable de se réchauffer ou de se refroidir, hein, puisque ça marche aussi évidemment en été. Vous avez laissé votre voiture à l'extérieur en plein soleil, vous êtes au restaurant, vous dites « je pars dans 10 minutes ». Et votre BMW va se réveiller et être capable de refroidir l'habitacle. Alors, si vous êtes sur une hybride rechargeable ou une électrique, ça va même être vraiment de la climatisation. Hein, donc, c'est vraiment du vrai froid et pas simplement une ventilation de l'habitacle. Exactement. Alors, l'idée de cette connectivité chez BMW, c'est vraiment de créer une continuité entre votre travail, entre votre domicile et votre véhicule. Ne pas interrompre ce fil de connectivité dont on a besoin, accéder à ces messages, que ce soit des mails ou des SMS directement dans sa voiture, avoir la possibilité de faire lire ses messages, avoir la possibilité d'y répondre là aussi par une commande vocale. Mm-hmm. Vous le savez, on a aussi la possibilité chez BMW de vous proposer le Intelligent Personal Assistant, l'assistant personnel intelligent, sorte d'intelligence artificielle qui se trouve dans ma BMW pour commander quasiment toutes les fonctions que je peux avoir à bord. Hein. C'est là aussi l'idée de pouvoir me simplifier l'existence. Alors, on en a parlé rapidement, hein, mais cette connectivité, elle peut être importante pour vous, hein, gestionnaire de parc, chef d'entreprise, notamment pour ce lien qu'il peut y avoir entre une application, MyBMW, et les véhicules de vos collaborateurs ou votre véhicule, notamment par exemple sur le suivi des entretiens, hein, le fait d'avoir les véhicules de votre parc directement dans votre application vous permet d'avoir un suivi de ces entretiens et d'être certain que vos collaborateurs pensent bien à aller faire la révision ou l'entretien au fur et à mesure des besoins. Tout ça peut être suivi directement dans l'application. Et au-delà de ça, je peux même aller plus loin puisque je consulte mon échéance d'entretien et si l'échéance d'entretien est atteinte, eh bien je vais même pouvoir prendre rendez-vous directement avec ma concession By My Car pour pouvoir faire réaliser cette étape d'entretien indispensable, évidemment, vous le savez, pour nos autos. Alors, ça fait partie des quelques exemples, il y en a beaucoup, et oui, notamment là aussi lié à la dimension véhicule électrique ou hybride rechargeable. Il y en a un
que j'ai découvert, pour être honnête avec vous, il y a relativement peu de temps, mais que je trouve particulièrement intéressant, c'est le fait de pouvoir définir un tarif, un prix du kilowattheure en fonction de l'endroit où je me recharge. Par exemple, si je dis chez moi, le kilowattheure, je le paye 15 centimes d'euros du kilowattheure, parce que c'est le tarif d'abonnement de mon fournisseur d'électricité, je le rentre directement dans mon application. Et donc, en consultant l'historique de mes recharges, je vais pouvoir retrouver mes différentes recharges, la quantité d'énergie que j'ai consommée de ma maison, et puis pouvoir avoir un prix en face. Donc, voilà, pour certains collaborateurs à qui vous souhaiteriez rembourser les frais de recharge de leur véhicule, par exemple sur la base de leur consommation, ça peut être un moyen d'avoir ce suivi-là, ou même de savoir, tiens, combien ça me coûte de me recharger en mon véhicule électrique à mon domicile, quel est l'impact sur ma consommation globale, et comparé avec un véhicule thermique, qu'est-ce que ça peut représenter. C'est des choses qui peuvent être intéressantes, et là aussi, directement gérées depuis mon smartphone. Mais je pense que parmi vous, vous êtes déjà tous utilisateurs de MyBMW App et vous utilisez fréquemment ce genre de service. Je te confirme. Parfait. Toujours pas de questions de votre part. Je pense que du coup, on est très complet sur ce qu'on aborde avec vous. On a parlé automobile, on a parlé hybride rechargeable électrique, on a parlé recharge, on a parlé véhicule thermique, parce que finalement, pour beaucoup de vos collaborateurs, le thermique reste une solution tout à fait acceptable et qui correspond à leurs besoins. On a parlé connectivité, comment garder ce lien entre mon lieu de travail, mon bureau, mon domicile et évidemment ne pas perdre le fil lorsque je suis à bord de mon véhicule. Il y a un autre point qui est très important lorsqu'on est en société, c'est que mon véhicule est un outil de travail. C'est un outil de travail qui doit être le moins possible immobilisé. Est-ce qu'on a des solutions pour ça chez By My Car ? Tout à fait. On vient tout juste de lancer un camion atelier. Donc, nous avons un mécanicien qui parcourt l'Île-de-France pour venir à votre rencontre, pour faire tout ce qui est entretien courant du véhicule, type vidange. Ça peut être aussi un changement de pneumatique lié à la conciergerie. Et donc, voilà, tous les rendez-vous se font via un numéro centralisé. Et puis, vous avez une petite vision un peu des différents échanges. Comme vous pouvez le voir, je suis multitâche. Oui, tu es à la fois devant la caméra et cliente de cette démonstration. Et évidemment, l'idée, c'était de mettre en situation ce qui allait pouvoir être réalisé par ce camion atelier. Donc, en termes d'étendue d'opérations, c'est les opérations courantes, mais qui font partie de l'entretien qu'on peut avoir en entreprise de manière traditionnelle. Donc, quand je parle d'entretien, je parle de vidange, bien entendu. Tout à fait. Les niveaux, ça peut être aussi, on l'a vu, les changements de pneumatiques qui peuvent être réalisés. Ce que tu me disais tout à l'heure, pourquoi pas pour plusieurs collaborateurs à la suite. Si j'ai deux, trois Exactement. Collaborateurs qui ont des rendez-vous qui tombent à peu près en même temps, ça me permet de rationaliser aussi, de n'immobiliser les 3-4 véhicules que pendant un temps donné et pouvoir faire ces autos à la suite. Et de rendre au final le temps de travail des collaborateurs de votre société bien plus efficace, puisque du coup, il n'y a pas du tout d'immobilisation. Il prend les clés et puis il envoie un petit texto quand c'est terminé. Donc, ça vous prend 5 minutes en tout et pour tout. Alors, est-ce que j'ai une différence de tarif ou de niveau de prestation entre le fait de faire ça via ce camion atelier ou de venir directement en concession? Est-ce qu'il y a une différence entre... Pas du tout. By My Car, en fin de compte, dans le cadre des partenariats, prend en charge le coût du déplacement. Si vous avez des contrats loueurs avec entretien, c'est référencé dedans, il n'y aura pas de surcoût. Donc, j'ai envie de vous dire, tout est gagné. D'accord, ok. C'est complètement intégré dans l'offre classique, finalement, d'entretien et des contrats d'entretien que vous pouvez avoir souscrits soit avec vos loueurs, soit directement avec BMW. D'accord. Parfait. Donc, un service qui, pour le coup, est réellement complet, qui vient compléter cette palette de manière intéressante. On est dans la mobilité. Voilà. Parfait. Ben oui, à la prochaine fois, pensez-y. Lorsque vous avez une réunion avec vos collaborateurs, finalement, le temps de la réunion, votre voiture est immobilisée. Profitez-en pour faire réaliser l'entretien. Ça peut faire, c'est sur le lieu de travail, ça peut être à domicile, au domicile des collaborateurs éventuellement? Ça peut, il faut juste que ce soit accessible parce qu'on parle d'un camion qui a quand même une taille conséquente du fait de tout le matériel qu'on doit transporter. Donc à partir du moment où il peut être immobilisé et mettre en sécurité votre collaborateur et notre mécanicien, il n'y a aucun problème. Oui, on ne parle pas d'un parking souterrain en centre-ville. Exactement. Ou alors sur le bord de la route en voilà. ville. D'accord. Tu as saisi ce que je voulais exprimer. Sur des zones privées, donc... Oui.
parking d'entreprise, ou alors si votre collaborateur habite dans une maison, par exemple, et a la place à l'extérieur pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. C'est tout à fait ça. On ne va pas faire ça sur le bord de la route en ville. D'accord. On va éviter. Très bien. Bien, eh bien, je crois que nous avons couvert à peu près l'essentiel de ce qu'on voulait voir avec vous lors de cette présentation. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on reste encore connectés pendant quelques minutes. N'hésitez surtout pas à interagir avec nous. On a été ravis en tout cas de passer ce milieu de matinée avec vous. Et nous allons vous souhaiter une excellente journée et vous dire à très bientôt dans peut-être le prochain Business Dating sur le prochain semestre. À très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bien entendu, les collaborateurs By My Car sont à votre écoute pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir au-delà de cette présentation, bien entendu. Et puis, si ça fait naître de nouvelles questions, n'hésitez surtout pas à voir directement avec nos collaborateurs qui seront ravis de vous accueillir et de répondre toujours à toutes ces questions que vous pourriez avoir. Passez une excellente journée et à très bientôt. Très bye bonne bye. Journée. Merci beaucoup. Au revoir.